Chers frères et sœurs, pour cette deuxième prédication d'une petite série de trois portant sur le protestantisme, j'aimerais consacrer la prédication de ce jour à la notion et à la réalité du sacerdoce universel des croyants. En traduisant toute la Bible dans la langue de chacune et de chacun, et cela à partir des textes originaux, en hébreu et en grec, en mettant cette Bible dans toutes les mains, les réformateurs, et Luther à leur tête, ont fait un geste novateur et à bien des égards révolutionnaire, dont ils étaient très loin d'imaginer les conséquences considérables. Avec ce geste, les prêtres, le clergé, étaient dépossédés d'un pouvoir exclusif, celui de lire la Bible, alors en latin, le plus souvent, et celui d'interpréter les textes. Ce geste va inaugurer une démocratisation progressive, affirmée d'abord dans ce que l'on appelle le sacerdoce universel, à savoir qu'il n'y a plus entre le fidèle, entre toi et Dieu, le trait d'union nécessaire et obligé d'un clergé. Alors tout d'abord, trois remarques à ce sujet. Luther, dans son livre « À la noblesse chrétienne de la nation allemande », en 1520, développe longuement cette notion d'un sacerdoce universel et il écrit ceci, entre autres, « On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés état ecclésiastique. Alors que les princes, les seigneurs, les artisans, les paysans seraient appelés état laïque. Ce qui est certes une fine subtilité et une belle hypocrisie. Mais personne ne doit se laisser intimider par cette distinction pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique. Deuxième remarque, nous sommes tous chrétiens dans ce sacerdoce universel, affirment les réformateurs, par le baptême. Voilà ce qu'écrit encore Luther dans le même livre. En conséquence, nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême, comme le disent Saint Pierre, 1 Pierre 2, 9, vous êtes un sacerdoce royal et une royauté sacerdotale, et l'Apocalypse 5, 10, tu as fait de nous par l'effusion de ton sang des prêtres et des rois. Je dois dire que j'ai toujours été un peu surpris ou déçu par la minceur des textes invoqués par Luther puis les autres réformateurs pour fonder bibliquement ce sacerdoce universel. Un verset de l'épître de Pierre, même si à l'époque on pensait que cette épître
avait été écrite par Pierre, ce que l'immense majorité des exégètes ne pense plus aujourd'hui, un verset de l'Apocalypse et parfois quelques versets, comme ceux de l'Épître aux Galates que je lisais tout à l'heure, ou des Corinthiens disant que nous sommes tous unis en Christ par le baptême, ou que nous sommes un seul corps formé de plusieurs membres. Il me semble qu'il ne s'agit pas, pour fonder le sacerdoce universel avec la réforme, de picorer à gauche et à droite des versets dans la Bible. Il y a là, dans l'affirmation de ce sacerdoce universel, une logique, une démarche qui s'inscrivent dans ce geste inaugural d'une Bible dans toutes les mains et dans la conviction sans cesse affirmée par Paul, et ça nous le relisions tout à l'heure dans l'Épître aux Galates, que nous sommes unis en Christ devant Dieu. Troisième remarque, si nous sommes tous prêtres, cela ne signifie absolument pas que nous sommes tous pasteurs. Le sacerdoce universel définit un état qui nous est commun, d'après les réformateurs par le baptême, et non pas une fonction. Il y a plusieurs fonctions parmi les fidèles, et Luther écrit lui-même encore, à la fin du texte que je lisais tout à l'heure, affirmant que tous les chrétiens appartiennent à l'État ecclésiastique, il n'existe entre eux aucune différence si ce n'est celle de la fonction. Il y a différentes fonctions, c'est-à-dire qu'il y a différents ministères dans nos églises, et la tradition réformée, vous le savez, en reconnaissait quatre principaux, le ministère pastoral, le ministère du conseiller presbytéral, le ministère du diacre et le ministère du docteur, le ministère doctoral. Ce ministère ou ces ministères, pour être ce qu'ils sont, doivent être sanctionnés par une reconnaissance officielle de ce ministère à laquelle tel ou tel est appelé. Et Luther donne un exemple très significatif de ce qu'il pense. Pour dire la chose plus clairement encore, si une petite troupe de pieux laïcs chrétiens était faite prisonnière et déportée dans un lieu désert, s'ils n'avaient pas auprès d'eux un prêtre consacré par un évêque, et s'ils se trouvaient à ce moment d'accord à ce sujet, ils choisiraient l'un d'entre eux, qu'il soit ou non marié, et lui confierait la charge de baptiser, de célébrer la messe, d'absoudre, de prêcher. Celui-là véritablement serait un prêtre, comme si tous les évêques et tous les papes l'avaient consacré. Eh bien, voyez-vous, cette affirmation d'un sacerdoce universel dans ces conditions-là a été, au XVIe siècle, un véritable séisme. Le sacerdoce universel a ébranlé l'Église, toute la société d'alors, dans un horizon largement culturel. Il n'est pas qu'un tremblement de terre spirituel et théologique, comme l'a été l'affirmation du sola gratia, à laquelle je consacrais ma dernière prédication, à savoir que nous sommes sauvés et aimés de Dieu par sa grâce seule et non pas par l'accomplissement de telles ou telles œuvres. Il y a dans le sacerdoce universel un ensemble qui correspond à une triple désacralisation, celle du temps. Il n'y a plus dans le monde, dans la société, des temps sacrés. Désacralisation, plus importante encore, de l'espace. Il n'y a plus des espaces sacrés.
des lieux sacrés, des choses sacrées, des objets sacrés. Et avec le sacerdoce universel, désacralisation des personnes, il n'y a plus des clergés et à des prêtres sacrés. Dans un sens, on ne devrait plus utiliser le mot laïque, parce qu'il y a laïque par rapport aux prêtres et prêtres par rapport aux laïcs, et si nous sommes tous prêtres, il n'y a plus de laïcs. Et il est infiniment regrettable que peu à peu, dans le protestantisme, en tout cas français, ou d'expression française, ce mot laïque soit revenu. Calvin ne l'utilisait plus. Il serait intéressant de voir d'ailleurs à partir de quand cet usage est réapparu. Calvin disait les fidèles, et parmi eux, des ministres. Et l'expression très courante chez nous de prédicateur laïque est malheureuse, même si on comprend bien ce que cela veut dire. Il y a des fidèles formés à la prédication et qui sont au bénéfice d'un ministère de la prédication. Alors il y a deux gestes symboliques, inséparables, qui unissent aux origines le geste et la définition du protestantisme à la Réforme. Il y a d'abord 1517, un geste symbolique, je l'ai dit la dernière fois, on affiche à la porte de la chapelle du château de Wittenberg les 95 thèses de Luther sur et contre les indulgences, qui affirment donc le sola gratia. Et puis, en 1520, il y a un autre geste inséparable du premier et très important, lui aussi symbolique. Luther brûle en public, et non pas dans sa cheminée chez lui, la bulle du pape qui le condamne. Bulle vient de bulla en latin qui désigne le sceau. Donc ce texte du pape qu'on lui a envoyé, signé par le pape avec le sceau du pape, ce texte qui condamne Luther. Eh bien Luther brûle cela en public en 1520. Je me rappelle une conférence organisée dans cette paroisse de l'Oratoire, en face de notre temple, aux 4 rues de l'Oratoire, à l'occasion d'un débat et d'une rencontre consacrée au protestantisme. Et nous avions invité là le grand théologien catholique, exégète remarquable, Michel Quesnel. Et Michel Quesnel, qui est aujourd'hui doyen et recteur de la faculté de théologie et de l'Université catholique de Lyon, nous avait dit « Non, pour moi, le geste inaugural de la Réforme n'est pas l'affichage des thèses que nous fêtons chaque année avec la fête de la Réformation en octobre. Le geste inaugural de la Réforme, c'est quand Luther brûle la bulle du pape. » Il avait bien compris que par rapport à l'Église catholique, cette affirmation d'un sacerdoce universel et ce refus d'une condamnation du pape désignaient quelque chose de profondément révolutionnaire. On a pu dire, nous sommes tous prêtres ou nous sommes tous laïcs, c'est pas exactement la même chose, mais cela se comprend, d'où l'aboutissement finalement de ce sacerdoce universel en 1525, Luther se marie. Eh bien, ce geste, mettre la Bible dans toutes les mains, désigne pour nous et pour chacun d'entre nous une responsabilité considérable, la promotion de l'individu, une piété très personnelle de plus en plus accentuée dans le protestantisme, d'où le fait que je relisais tout à l'heure, Matthieu 6:6, ce verset qui a eu un retentissement considérable dans l'histoire du protestantisme, et cela peu à peu, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret. Alors, et ce sera une deuxième série de remarques, ce sacerdoce universel dit l'importance de la personne libre.
on communique avec Dieu directement, sans passer par des autorités politiques ou religieuses. Chacun est une personne singulière devant Dieu, coram Deo, comme le dit sans cesse Luther. Et nous sommes cela non pas en fonction de notre nation, il n'y a plus ni juif ni grec, vous entendiez l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, ou en fonction d'une catégorie sociale, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, ou en fonction de son sexe, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu uniquement comme personne singulière. Et le Nouveau Testament, beaucoup plus que l'Ancien Testament, à part peut-être surtout le livre de Job, va insister à travers les épîtres de Paul sur cette foi personnelle, personnelle, plus importante que les rites, que les liturgies, que les sacrifices, que les groupes, que le peuple, qu'une institution. J'ai déjà cité ici cette fameuse réponse de Ferdinand Brunetière, ce critique, penseur du XIXe siècle, membre de l'Académie française, auquel on demandait « Que croyez-vous ?» et qui répondit « Allez le demander à Rome. » Eh bien, jamais un protestant pourrait entrer dans une telle démarche, parce que l'Église, pour nous, est la réunion, l'assemblée, l'association de personnes libres et non pas une sorte de peuple organique, d'institution, fût-elle infaillible, de structure. Il faut interroger l'expression de l'Europe chrétienne dont on nous parle souvent. Y a-t-il des continents chrétiens? On comprend bien ce qu'on veut dire, bien sûr, par là. Y a-t-il des sociétés vraiment chrétiennes? Y a-t-il des institutions chrétiennes? On ne baptise pas des continents, des pays, des sociétés, des institutions. On baptise des personnes. D'où le fait que peu à peu dans le protestantisme, on a fortement pensé cette réflexion. On ne naît pas chrétien, même si l'on est dans un milieu chrétien. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et il faut toujours réentendre le cri fameux d'André Gounel, le professeur de la faculté de théologie protestante de Montpellier, aujourd'hui d'ailleurs à la retraite, qui dans un de ses livres donne pour titre un chapitre « Vive l'individualisme ». Le sacerdoce universel définit donc une foi insoumise. Luther, à Worms, la diète de Worms, où il est condamné, mais convoqué par l'empereur Charles Quint, par les dignitaires de l'Église catholique, déclare « Je suis lié par les textes scripturaires, bibliques, que j'ai cités, et ma conscience est captive des paroles de Dieu, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. » Et ailleurs, dans une lettre, il écrit « C'est à chacun de décider selon sa conscience comment croire ou ne pas croire, car la foi est une œuvre libre et on ne peut y forcer personne. » Vous voyez que cette idée de la liberté de conscience dont on nous dit qu'elle s'est imposée et développée à partir du siècle des Lumières était déjà là, présente, très nettement en germe, dans la pensée même du réformateur. Et bien sûr, cette notion et cette réalité de la liberté de conscience va peu à peu promouvoir un esprit qui est celui de la tolérance. Et au XVIIe siècle, deux penseurs, deux philosophes vont illustrer cela, cet esprit de tolérance, son protestant John Locke en Angleterre et Pierre Bell en France. Il y a ainsi peu à peu dans le protestantisme, peu à peu, une démocratisation à l'œuvre. Et André Gounel écrit dans un livre collectif intitulé « Démocratie et fonctionnement des Églises ». Aussi bien la royauté
avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685, que les différents régimes qui se succèdent dans notre pays pendant le XIXe siècle jusqu'à la Troisième République interdisent la tenue de synodes nationaux protestants parce qu'ils craignent l'impact politique que peut avoir l'ensemble et l'exemple d'une assemblée souveraine, délibérant et décidant librement. Entre 1660 et 1872, donc pendant plus de deux siècles, on a refusé aux réformés français la convocation d'un synode national, et ces réformés français n'ont donc pas pu fonctionner selon le régime presbytérien synodal parce qu'ils sentaient trop la démocratie. Voilà ce qu'écrit André Gounel. Certes, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a d'abord différentes formes de démocratie. On est toujours plus ou moins démocratique ou de telle ou telle manière. Serait-ce parce que la Suisse est une démocratie directe? À ma connaissance, la seule existant dans le monde actuel, que toutes les autres démocraties ne seraient pas des démocraties. Non. Le geste protestant dont j'ai parlé portait en germe un ferment de l'esprit démocratique, mais cela, bien sûr, n'a pas été du tout donné d'emblée, ni perçu partout, ni vécu partout. Il a fallu des siècles pour que le protestantisme devienne le protestantisme. À la limite, on peut très bien dire qu'au départ, Luther et Calvin n'étaient pas protestants. Ils ont fait une réforme qui, peu à peu, est devenue le protestantisme. La démocratie, c'est donc surtout un état d'esprit, une vocation, une orientation, une donnée de l'univers religieux qui va peu à peu irriguer l'univers politique. Dans un livre récemment paru, le pasteur Alain Ouzuiot, intitulé « Christianisme et convictions politiques », et dont il m'a généreusement demandé d'écrire la préface, dans un chapitre intitulé « Les idéaux démocratiques sont-ils d'inspiration chrétienne ?» écrit entre autres « La réforme protestante, en remettant en cause la légitimité de la papauté et en affirmant le principe du sacerdoce universel des croyants, a précipité l'évolution de l'État vers la démocratie. Elle a contribué à la reconnaissance de la liberté de conscience et à la séparation de l'Église et de l'État. » Alors là, il faudrait que je consacre encore toute une partie de cette prédication, je ne le ferai pas, à la question délicate de la séparation des Églises et de l'État qui s'inscrit dans cette même mouvance. Mais on sait bien qu'en France, en tout cas, la loi de séparation des Églises et de l'État du 11 décembre 1905 a été profondément marquée par le protestantisme, par des protestants et même par des pasteurs protestants. Et son article premier affirme « La République assure la liberté de conscience ». Alors voici ma conclusion en trois points. Le premier, c'est très connu. Le protestantisme ou les protestantismes ont des structures démocratiques et le catholicisme romain des structures hiérarchiques et monarchiques. Dans nos assemblées, il y a des pasteurs et des fidèles, des hommes et des femmes,
sans distinction. Parfois même, c'est le cas du synode luthérien de Paris et ses régions, il y a plus de fidèles que de pasteurs. Je me rappelle quand j'étais membre du Conseil national de l'Église réformée de France, j'entendais sans cesse dire « les autorités ecclésiastiques, nos autorités ecclésiastiques ». On désignait par là ce Conseil national ou son président ou son secrétaire général ou la même chose pour la Fédération protestante de France et je répondais invariablement « il n'y a pas dans ce sens-là d'autorité ecclésiastique. Les seules autorités dans le protestantisme, ce sont les synodes. Le protestantisme, c'est vous. Le protestantisme, c'est nous. Dans cette magnifique responsabilité qui est la nôtre et qui est aussi, par conséquent, notre liberté. Puis, ce sera ma deuxième remarque, nous savons bien que les cultes, que ce qu'on appelle les actes pastoraux, à savoir le baptême, la confirmation, la bénédiction des mariés, le service funèbre, peuvent être célébrés par de simples fidèles et non pas nécessairement par des pasteurs, même s'il faut pour cela une délégation en bonne et due forme, non pas pour des raisons de pouvoir, mais pour des raisons d'ordre. La robe pastorale elle-même n'est pas un vêtement clérical, n'est pas du tout un vêtement liturgique et cultuel. À l'origine, ceux qui la portaient même dans la rue. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'aube dans le catholicisme romain. Elle devrait désigner encore, un grade universitaire et non pas une fonction ecclésiastique. Et n'oublions pas que l'étymologie du mot « liturgie » Ergon, lethos, en grec, désigne l'œuvre des laïcs, et non pas de quelques clercs, d'un clergé. Le culte est l'affaire de tous. Le culte, c'est vous. Le culte, c'est nous. Et il n'y a plus, sitôt qu'on a donné ce temple aux protestants français, il n'y a plus eu le cœur. Cette séparation entre les fidèles et le clergé sacré. La première chose qu'on a faite quand on a reçu ce temple, c'est de supprimer ce cœur et d'y asseoir des fidèles. Le culte, c'est vous, le culte, c'est nous. C'est là encore une responsabilité qui nous incombe et une grande liberté. Et puis, troisième et dernière remarque, je pense à ce titre d'un petit ouvrage très intéressant de Raphaël Picon, tous théologiens. Mais bien sûr, cela implique une formation pour l'être. Et les protestants, dès les origines de la Réforme, ont insisté là-dessus, promu la catéchèse, construit des écoles, appris à lire et à écrire, réuni des fidèles autour d'études bibliques, créer des académies pour que les pasteurs aient une formation universitaire, non pas simplement des prêtres formés dans des séminaires. Là aussi, il y a eu une désacralisation et un décloisonnement. Alors, je voudrais renouer avec ce que je disais au début de cette prédication en citant une fois de plus le fameux Alexandrin de Boileau, « Tout protestant fut pape, une Bible à la main. » Alors beaucoup de protestants disent « Mais non, c'est pas exact, bien sûr, il exagère. » Pas du tout. Il a parfaitement raison. Le pape n'est pas plus inspiré quand il lit la Bible, ni plus autorisé à l'interpréter que n'importe lequel d'entre nous, s'il est exigeant, s'il se forme pour comprendre cette Bible. Il y a là une exigence, il y a là encore une responsabilité qui dit notre liberté. J'ai dit tout à l'heure avec André Gounel, vive l'individualisme.
Eh bien, je voudrais conclure cette prédication, car c'est sous cette affirmation qu'elle était placée en réalité, en citant cette fameuse épître aux Romains qui a tellement marqué le protestantisme, chapitre 8, verset 1, en vous disant, oui, vive la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen.